Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Ekarim Jungle. On est avec un Gangplank, un Twisted Fate, une Caitlyn, un Blitzcrank contre Darius, Sejuani, Yasuo, Jhin et Thresh. On a un niveau de jeu Platine 2. Donc match-up contre une Sejuani. Ok, ça me fait pas trop peur. On a tous les deux des persos pas remarquablement axés sur les dégâts. Je pense que ça va être relativement passif dans les affrontements. On verra bien. Mais avec Ekka, je vais essayer d'être très présent sur les lanes, hein, c'est plutôt dans cette optique que je le joue. Je vais commencer au Q-spell, il y a un plan d'invade là, avec un Blitzcrank très clairement. Hop. Je prends le Q-spell parce que dans tous les cas, ça reste le mieux, même pour une invade, quoi qu'il se passe. Il y a des champions avec lesquels il est... Ok, GP s'en fout. Avec lesquels c'est clairement mieux de prendre, d'ajuster son premier sort en fonction de ce qui se passe sur l'early game. Puis il y en a d'autres où c'est quand même assez clair que... Y a, à mon avis, là, avec Karim, il n'y a pas vraiment d'autres options intéressantes. Allez, ça c'est AFK, ça. Blitz, putain, tu l'avais free, là. Il bougeait pas, le mec. Putain, faut se réveiller, sérieux. Oh, c'est chiant. Je vois pas l'intérêt de jouer Blitz et de vouloir invade si c'est pour mettre un milliard d'années à réagir quoi. Là c'était free, hein, le Thresh il bougeait pas, il avait juste à l'envoyer dès qu'il était à la portée, il le chopait, mais. Je sais pas ce qu'il a foutu. Bon. Du coup, bah. Ouais, bon, j'ai rien perdu, c'est pas très grave, mais c'est frustrant. Bon, le GP qui vient pas à l'invade, au moins il vient pour m'aider à faire mon raid. Enfin mon bleu, pardon. C'est déjà ça. T'es pas obligé de rester aussi longtemps mon pote hein, faut pas manquer du farm non plus hein. Putain mais il est sérieux? Oh putain c'est incroyable. C'est incroyable. Ce jeu c'est quelque chose hein. Je sais pas pourquoi il est resté un milliard d'années comme ça, bah maintenant je suis dans une merde pas possible moi. Concrètement, là, je sais pas trop ce que je fais. Ma partie, en vrai, elle est éclatée là, juste là-dessus. Hein, bon. Ben, on va essayer d'avoir une partie quand même, mais là, j'avoue que c'est chaud. Je sais pas trop ce que je peux faire. J'ai perdu un milliard de PV, je sais même pas si je vais pouvoir faire, si je vais pouvoir faire mon clear. Bon, il a l'air au moins de péter sa lane, c'est déjà bien. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Je pense pas, hein. Je me suis mis devant pour tanker le bleu. C'est juste qu'il est resté mille fois trop longtemps, quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris son délire. Je suis complètement inexistant dans la partie pour l'instant et je vais l'être pendant un bon moment. Ça me fait bien chier. Je perds vraiment beaucoup de PV. Je vais essayer de kite, de bien optimiser les dégâts avec le Q-spell. Mais là, en vrai, c'est même pas sûr que je me fasse les petits golems. Hein. De toute façon, là j'en suis à un stade où clairement je vais test, puis on verra bien. Hein. Je pense que je crève. Ok, c'est très très limite. Hein. À mon avis, ça devrait passer, mais c'est vraiment très close. Putain, il m'a bien bien troll. Hein. Je vais voir si je peux récupérer le Carapateur parce que CSG est top, mais. Franchement, c'est scandaleux. Heureusement que j'ai l'info CSG top, sinon c'était compliqué pour moi là. Je me serais vu la tuer plus vite et pouvoir me barrer, mais... Exécuter, énorme. Oh, ce génie. Ce génie. Bon, bah, trop bien. 3-1.
trop trop bien cette game. Pour l'instant, c'est étonnant, mais ça se passe bien. Je vais prendre une pink. Comme quoi, des fois, hein, les pires starts, ça débouche sur quelque chose de correct. On sait pas trop pourquoi, mais c'est la vie. Alors, rush le Drake, à mon avis, ça va pas servir à grand chose. Mais par contre, peut-être me diriger vers le mid-bot. Sèche qui a pas de farm, 12 de farm, 0-1, et moi 28, 1 kill. Putain, elle va avoir beaucoup de mal. Hein. Il faut vraiment que j'essaie de la stomp au max. Alors là, je réfléchis la meilleure manière d'être utile. Allez, les yeux. TF, pardon. Sors-moi ton meilleur stun. Ok. Je pensais qu'il allait pouvoir agir un peu plus. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. Attends, je vais essayer de jouer archi agressif. Mais il faut que je trouve le juste milieu. Faut pas non plus que je int. Ok. Sèche qui est là, attention, barrez-vous les potes, je vais venir là, mais je sais que je suis vu. Après, en soi, ça peut donner des trucs, hein. Ah, je prends cher quand même. Je prends très cher. C'est Ekarim que je joue très très rarement, donc j'ai pas une aisance incroyable sur le perso. Hein. Exactement ce qu'il peut faire, c'est ses limites et tout, je connais pas très bien, donc je vais essayer de pas prendre trop de risques. Assez différent des autres junglers que je joue d'habitude. Là typiquement me faire péter comme ça par Sage, j'ai pas. C'est pas normal pour moi, c'est quelque chose d'assez atypique. Et je passe ma vie à être sans PV dans ma jungle. En même temps je le cherche un peu, je cherche pas spécialement à être très efficace sur mon kite. Encore une fois, il faut que je m'habitue et que j'ajuste mon gameplay. Parce que là c'est un peu chaud. Ok, je pense que je peux faire le gromp. Et encore, je dis ça, mais. Je vais crever en fait, MDR. Ok, bon, c'est pas eu dire, hein. Je suis archi mal. Je sais pas trop ce que. Qu'est-ce que je fous là? Comment ça se fait que je prends un temps de dégâts? Pas terrible. Bon, j'ai toujours ma ping qui est posée, ça c'est cool. J'ai un bac dégueulasse là sur le shop, j'avais absolument rien d'optimisé sur mes achats, c'est immonde là ce que je fais pour l'instant. On va essayer de remonter un peu de level. Ce serait bien qu'on ait un Drake assez vite. Surtout en plus un Drake des nuages pour Ekarim, c'est génial. Le TF qui a pas l'air trop mauvais mais. Le retard que j'ai sur le level, what the fuck. Je suis niveau 5 à 7 minutes 30. À l'aide! J'allais dire je vais faire le bleu pour ETF, mais voilà qui rend la chose un peu compliquée. Ok, GP qui récupère à l'ulti, je pense. Ah non, il a décalé. Il a décalé. Le petit coquin. Par contre, la vérité est que la vie que je perds, c'est pas normal. C'est franchement pas normal. Il a eu là, sérieusement? Je pensais. J'ai hésité à claquer l'ulti ou smite, mais je me suis dit bah tranquille. Mais je crois que c'est même pas l'ulti qui l'a fini, à mon avis, c'est au passif là. Bon. On va dire que c'est quand même correct. Je vais essayer de pas. Pas laisser le Drake, il faudrait que je joue un peu plus autour. Je suis le premier à criser contre les junglers qui sont pas vigilants au Drake. Et là, je crois que je suis pas très très bon là-dessus. Alors est-ce que... Tra, le Yasuo qui joue trop safe, je vais avoir du mal à le choper. C'était pas mal ça. Mécaniquement un peu bizarre, mais pas mal. Je me suis dit, elle est quand même pas en train de faire le Drake. Ça fait une heure que je l'ai vu passer ici, sais-je. Incroyable, qu'est-ce qu'elle a foutu.
Je suis perplexe. En vrai, go, hein. Yes, 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 les potes. On y va comme ça me va. En fait, à chaque fois que je joue Ikarim, c'est marrant, parce que je fais de mon mieux, j'essaie de bien faire et tout, j'aime bien le perso, mais j'ai quand même l'impression que j'ai en fait, j'ai tellement moins de maîtrise que sur Udyr avec ce mec, que j'ai toujours l'impression que quand j'arrive à faire des trucs, c'est un peu genre, ah, tiens, ça s'est bien passé, genre comme si j'avais pas une maîtrise totale sur ce qui se passe dans la game. Qu'à chaque fois, je suis un peu comme spectateur de ce que fait mon champion. Ah ouais, tiens, là il tue, là il tue pas. Ah ouais, ok. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Je me suis fait niquer mon raid. Ok, c'est donc ça que faisait ces Sejuani pendant 1 an et demi tout à l'heure. Je me disais bien que c'était bizarre qu'elle ait disparu des radars comme ça. Bon. Au final, ça me pose pas vraiment de soucis, hein, qu'on se le dise. Je pense qu'il est temps que je back là. Je peux me prendre. Je vais me prendre des tabis en vrai. Hein. Oh, je dis ça, mais non, il y a plein d'AD. Je vais me prendre des. Ouais, des tabis. Je vais prendre ça. Et il me faudrait la brillance en vrai, mais. Bon, bah, j'essaierai de prendre Trinité assez vite. Ça serait bien que j'arrive à rush le Drake peut-être. Je vais aller check s'il n'y a pas le Darius qui se balade là. Je l'ai vu passer notre ami. Il faut que j'aille m'occuper du Drake quand même, là c'est pas normal que ça soit aussi long. Enfin c'est pas normal. J'ai un champion qui ne se prête pas à le faire ultra vite, mais quand même ce serait bien que ce soit un peu plus rapide. Toi t'allais choper le Darius hein, en vrai il était bien mort. Putain ça serait bien que je sois bot là, le placement serait vraiment sympa pour un gank, malheureusement. Je suis un peu à l'autre bout du monde. Ah, je sens quand même que là, c'est pas intéressant pour moi de passer autant de temps dans ma jungle. Hein. J'ai pas du tout l'efficacité de clear que j'ai avec avec Udyr. Je me suis dit, j'ai peut-être moyen de le tomber sans claquer l'ulti. En vrai, je vais full push avec le GP. Est-ce qu'on irait pas prendre une petite plaque là? S'il pouvait voir le Drake, ça me plairait beaucoup. Tu me fais peur, GP. Allez, je pense qu'on peut encore en prendre une et après, faudra back. Nickel. Allez, moi je considère que c'est assez, plus ça me paraît être du grid. 1800 ma trinité. En vrai, je vais pas back maintenant, je pense que c'est pas rentable. Je vais aller faire le bleu. Parce que c'est vraiment le mana en fait qui me met au fond. Ah bah tiens, je vais aller faire ça. Ensuite le bleu, et ensuite j'irai rush le Drake. Oh là là. Normalement je suis safe, hein. Je vais pas chercher la confrontation ici. J'ai eu peur de me faire voler le carapateur. Mais tout va bien. Ah merde, j'ai mis le E beaucoup trop tôt. Ah non, juste à temps. GP, vends-moi du rêve, j'ai peur de me faire tuer à l'aide. Qu'est-ce qu'il a foutu là? Ok, bah ça se passe bien. Genre on me demandait pas comment, mais on... Encore une fois, j'ai l'impression en fait quand je jouais Karim, j'ai une chat, mais genre c'est incroyable. Encore une fois, là c'était archi... Je pense qu'il avait moyen de nous tuer, alors il devait pas avoir l'ulti à mon avis, parce que là il le claquait, il faisait le doublé en fait. Et je pense que vraiment, là c'est vraiment l'impression que j'ai, qu'à chaque fois genre j'ai une chat de fou quoi, et que en fait je m'en sors tout le temps, et j'ai toujours des bons KDA avec Karim. Alors que j'ai pas une super maîtrise du perso quoi. Et puis bah là, en plus j'ai une team qui sait jouer et tout, enfin... C'est vraiment le perso pour mettre le karma avec moi quoi, à chaque fois ça me met trop bien. C'est assez ouf. Ça me met archi bien. Ok, je commence à avoir un peu de régène.
Est-ce que je peux... Ah, j'ai pas assez de PV pour venir sur l'Yasuo. Je voudrais vraiment... là, je vais pouvoir back et prendre Trinité. Je pensais faire le Drake et ensuite back, mais là, je vais plutôt back, ensuite Drake. Ah, j'ai envie de... J'ai envie d'aller aider au mid, là, mais à mon avis, je peux me faire tuer très vite. Oh là là, c'est close. C'est très close. Ça peut aller vite. Je vais avoir l'ulti qui va proc, là. Ça passe encore, tout va bien. Voilà, pour le coup, je me suis un peu... j'ai tout donné, hein, là, sur les... J'ai senti qu'il fallait bien que je mette le timing sur le E, que je me précipite pas. Et je pense que j'ai plutôt fait un bon job. Et non. Allez, je pense qu'il le récupère, là. J'ai pas voulu... Ouais, je pensais... J'aurais pu mettre plus de dégâts à Thresh, mais je pensais qu'il l'avait large. Je me suis dit, on est good. Mais apparemment, c'était pas le cas. Bon, je suis un peu déçu. J'ai plein de gold. Il faudrait que je back. C'est un peu compliqué cette histoire. Elle va où sais-je? Elle va vers son bleu. Il faudrait que j'arrive à récupérer le Kirapateur. Ce serait bien. Faut que je fasse gaffe à ce qu'elle me le chope pas. Je peux le smite, mais je pense qu'elle fait le bleu. Je peux peut-être aller même lui contester le bleu. Oh là là. Bon, j'ai mis le Q-spell dans le vide, mais le contest du bleu était assez ouf. Alors, est-ce que. En vrai, je vais aller la chercher. Oh là 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 là. Genre, le TF qui me prend le kill, what the fuck. Alors, par contre, je vais avoir besoin qu'on m'aide un petit peu, je pense. Ah ouais, là, c'était pas évident. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont foutu. En vrai, bon, j'avais 3000 gold, ça fait un an et demi que je debug et je suis toujours là en train de fight, c'était un peu bizarre. Mais j'ai que des opportunités qui se sont enchaînées les unes les autres. Je suis un peu deck pour de me faire KS la sèche, mais. Bon, TF il a l'air de bien jouer donc ça me dérange pas qu'il prenne des kills. Il faut vraiment que je rush ce Drake, hein. C'est vraiment. C'est vraiment pas l'aisance incroyable pour faire le Drake sur ce perso, mais bon, bah, je vais m'adapter hein, tout simplement. On a quoi? Je vais prendre de l'armure, je pense. Je regarde un petit peu qui a des kills en face. Je pense que Plaque du Mort ce sera un bon pick. Je vais partir plutôt tanky. C'est comme ça que j'aime bien le jouer, Karim. Assez tanky à rentrer dans le tas tout le temps, c'est assez drôle. Je vais aller chercher le petit Drake. Ce serait peut-être bien si je pouvais aller aider au bot là. J'ai peur de pas être là à temps, mais probablement que je vais pouvoir récupérer quelque chose. Ok, donc là 100% il est en train de back. Ah putain, à mon avis, je l'ai raté à pas grand chose. Fait chier. Relou. What? What? J'ai pas trop compris là. Ça serait bien si on pouvait faire le Drake en vrai. J'ai pas envie de mourir, à l'aide. Me laissez pas crever, s'il vous plaît. Oh putain, mais il m'emmerde, hein. Est-ce qu'on peut avoir un peu de dégâts avec nous, s'il vous plaît? Alors là, par contre, j'ai un petit problème de team, hein. Putain, en vrai, j'ai l'impression que je joue tout seul pendant 1000 ans, et je sais pas, j'ai une ADC, là, qui est là, en train de se balader en maillot de bain. Tout est normal. J'étais vraiment focus sur ce qui se passait autour de moi pour voir vraiment ce qu'il faisait plus loin, mais... J'ai l'impression qu'ils auraient pu être un peu plus utiles sur cette petite escarmouche. Je prends quand même plutôt des dégâts physiques, mais là je comprends pas trop ce qu'ils font. Ils vont se donner, c'est un peu bizarre. Bon, le Darius il est là de se mettre un peu bien. Notre GP n'a pas l'air mauvais non plus. Je pense que j'ai une team à peu près correcte. Hein, bon, personne qui est excellent et personne qui est non plus complètement perdu. Ça me sert à rien. Je vais le vendre pour prendre plutôt de la vie. Le Drake est toujours pas fait, en vrai, je vais prendre un Dayward. Mais c'est très très bizarre. J'ai l'impression que les prises de décision et les déplacements de mes alliés sont complètement aléatoires. C'est très désagréable de jouer dans ce genre de configuration. Je vais essayer d'aller prendre ce Drake. Hein. 19 minutes 30, toujours pas de Drake, ça me rend absolument dingue. Et puis là, encore une fois, ils sont toujours en train de se fight. C'est une arme cette partie, c'est n'importe quoi.
Et bah oui, effectivement, là, y a pas trop de drag possible, hein. Ah! Ah! Bon, j'étais vu, a priori. Ou alors, j'ai eu une grosse malchance. On va dire plutôt que j'étais vu. Bon, je vais faire le drag. Oh putain, mais je peux pas faire le drag, ça faille tout le temps. Mais c'est quoi ça, les quats, là? Qu'est-ce que vous faites? Oh là là. Là, bien sûr, maintenant que tout le monde dit, il faut que j'y aille, moi, j'ai pas le choix. Alors, je sais même pas qui focus entre les deux, tellement les deux sont archi tanky. Ok, on va partir sur Sage. Par contre, il faut juste pas me laisser tout seul, hein. Je vais crever, en vrai. Là, il y a Darius qui est en train de snowball comme jamais. Kathleen, elle est morte comment, what the fuck? Putain, j'ai essayé de la protéger en mettant l'ulti sur Yasuo et en l'éloignant d'elle. Mais là, encore une fois, je comprends pas trop ce qui se passe. J'aurais dû mettre tout sur Sage au lieu de partir sur Darius parce que Darius a trop de régène. Je pense que j'aurais pu tuer Sage. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font absolument n'importe quoi. C'est assez... Genre, il fait quoi là? Il fait quoi, Blizz? Tu le grappes et après il se passe quoi? Tu te fais instant. Il aura même pas le temps de venir. C'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. Bon, je vais reprendre une ping, je pense. Je vais aller faire mon petit raid et essayer d'aller faire ce Drake un jour, hein. Mais c'est vraiment une arame, hein. Attends, mais no joke, hein. Ça vient de fight, ils font quoi? Ils reviennent tous exactement pareil au mid et ils s'en mettent sur la gueule. En vrai, c'est... C'est... Bon, c'est bizarre que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils jouent comme ça, en vrai. Puis bien sûr, c'est nous qui nous faisons péter, hein. Ça, c'est classique. Bon, je vais essayer de faire ce Drake. De toute façon, tout le monde a l'air de s'en foutre. Autant ma team que la team adverse, donc c'est parfait. Je verrai si je peux récupérer des kills quelque part ensuite. Smite à 700 et quel, ok, j'ai pas besoin de le claquer, c'est bien. Enfin, hein, ce Drake, putain. Ça me mettrait très très bien d'avoir ce bleu. Pareil, smite à 760. Alors je vais essayer de kite un tout petit peu, mais je voudrais garder la vision dans le bush quand même. Ok, ça c'est génial. Bon, je vais essayer de partir en léger split. Je pense que ce sera bien. Parce que là, il faut faire avancer la partie. Hein. S'ils veulent faire une arame, faut pas le faire sur la map de 5v5. Quoi. À la limite, il y a une map exprès. Parce que là, il n'y a aucun objectif de prix nulle part. Bon, le Yasuo, je l'explose. Hein, s'il veut venir me test, par contre, très clairement. Mais c'est pas en étant en 1v1 comme ça que je suis le plus utile, hein, pour ma team. Vaut mieux que je sois avec eux pour les fights. Mais putain, qu'est-ce qu'il y en a comme fight, quoi. Ok, j'étais chaud pour y aller, là, éventuellement. Je pensais tellement le tuer le trash. Ok, bon, je l'ai pas fini, mais... Je veux pas mourir, je mets juste mes petites engage. Bon, le Darius, il me traumatise, hein, perso. Ouais, tout ça pour ça. Bon, ça fait... C'est joli, son ulti, mais ça fait pas grand-chose. Je vais aller check s'il y a pas des choses à récup un peu. Oh bah, nickel. Par exemple, un red buff, c'est très bien. Il continue à se battre jusqu'à l'infini, mais c'est incroyable. Bon, le Darius, il pose problème quand même. Hein. Il va falloir que peut-être que je prenne un item anti-heal pour lui, genre une cote épineuse. C'est pas tellement dans le genre de stuff que j'avais prévu de faire, mais je crois qu'il va falloir que je m'adapte un peu, parce que là, il va poser un problème. Oh putain, j'ai mis ce clic, j'ai pas pris le gros. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh là 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 là, c'est un carnage cette game. Ça n'a aucun sens en vrai. Allez, j'y vais. Heureusement que je suis là pour terminer un peu parce que putain, sinon on n'en arrivera jamais. Hein. Allez, on va aller chercher la tour. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont aucune vision d'ensemble. Ils sont juste là à se mettre dessus. C'est. Ou alors c'est une nouvelle méta, on m'avait pas mis au courant quoi, mais c'est bizarre quand même. J'ai envie de le dive, mais avec la sèche derrière, ça me paraît un peu compliqué. Vas-y, viens Blitz. Bon, c'était pas mal ça. Petit outplay des familles. Ce serait bien d'aller prendre la tourbotte en vrai.
Ce serait vraiment pas mal. En vrai, je m'éclate toujours comme jamais avec Ikarim, mes games, c'est toujours un peu n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, alors. Est-ce que c'est le perso qui veut ça? Je sais pas, mais. Ok, on fight dedans là. Ah, mais non, Darius c'est too much. Hein. Là pour moi c'est très compliqué de le tanker. Qu'est-ce que je peux prendre contre lui? Est-ce que quelqu'un a pris de l'anti-heal dans notre team déjà? Personne n'a pris de l'anti-heal. C'est peut-être ça la base du problème. J'aimerais bien me prendre un visage spirituel, mais là le problème c'est vraiment Darius. Je vais me prendre directement déjà le sous-item de la côte épineuse. Là, l'armure roncière, elle fait une énorme différence contre Darius. Enfin, c'est un anti-soin quoi, tout simplement. Je vais partir là-dessus. Et je pense que du coup le reste des items attendra. J'aurais bien aimé partir sur le visage spirituel, mais je prends vraiment beaucoup plus de dégâts physiques que magiques. C'est normal en même temps vu leur compo. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris les tabiches, c'était un bon choix. Infernal dans une minute. Je pense que je vais aller me faire un petit clean jungle peut-être. Bon, je garde quand même un œil sur ce qu'ils font, mais c'est vraiment une arame, hein, no joke, hein, c'est une arame cette partie. Et il va me falloir un peu de farm, comme ça je pense que là je fais mon clean jungle, je vais récupérer l'infernal et puis s'il y a besoin bah, je peux les rejoindre très très vite, hein. J'ai beaucoup de mobilité mais j'aimerais bien pouvoir avancer un peu sur mon stuff, essayer de prendre quelques petits objectifs. Allez, Carapateur, ça je prends. Là il s'avance, après si il se split un peu en face, moi je peux vraiment aller les chercher. Et là pour moi notre priorité c'est le Drake, il faut déjà caler une ward aussi au baron. Ce serait pas mal. Je suis très solide hein, personnellement, mais encore une fois, ils sont encore en train de se battre. Mais... C'est un zoo cette partie. Bon, on va essayer d'y aller. Ok. Je veux juste survivre s'il vous plaît, récupérer mes potes, moi je veux juste me remettre un peu de PV et être opérationnel pour l'infernal. Hein. Je pense que j'ai très bien fait mon job là. C'était excellent de ma part. Maintenant, l'idée ça va être de pas laisser. Putain, il y a la tourelle encore, elle fait chier. La tourelle met mal. Ça je prends. Merde, j'ai boosté le Z alors que j'avais l'ulti, je me suis chié, c'est pas très grave, mais ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche, on peut le dire. Hop, allez, je lâche le smite, j'avais peut-être pas besoin, mais pour un infernal, je préfère sécuriser, on sait jamais. Je vais aller prendre cette tourelle au bot là qui veut vraiment pas tomber depuis tout à l'heure, ça nous fera du bien quand elle sera plus là. Allez, go, go, go. Go, push ça. En vrai, on va pouvoir envisager un Ashor. Hein. Je le pense vraiment. Ok. Ils continuent, mais ils sont... À chaque fois que je regarde ma mini-carte, je vois une espèce de grosse boule avec tous les champions qui sont en train de se taper dessus. C'est incroyable, cette game, hein, vraiment. Hein. Après, bon, là, pour cette fois-ci, c'est moi, c'est ma team qui prend l'avantage, mais... C'est incroyable, hein. Ce plan de jeu est complètement, complètement fou. Bon, moi je split, hein, j'ai envie que ça avance. Yasuo, si tu veux qu'on se batte un V1, c'est quand tu veux, mon pote. Hein. Ouais. Ouais, on va dire que ça passe. Moi je suis en train de me mettre très bien. Hein. 3000 gold encore. Je vais venir avec eux. Il va bien falloir que j'aille jouer un peu avec eux quand même un jour. Allez mes potes, on récupère quand je fais tout le travail en amont. Il faut que ça suive derrière. Allez Yasuo, tu tombes. Allez, cette fois-ci je fais pas l'erreur de tout mettre sur Darius alors que je peux tuer Sage. Je carry tellement, en vrai c'est ouf. Allez, je vais essayer de sauver mon ADC. Mais le perso Darius c'est pas possible, même avec de l'anti-heal, hein, même avec mon anti-heal c'est chaud, il est archi fed, hein. Enfin moi aussi je suis bien, mais là
J'ai l'impression que je suis toujours tout seul dans la fight, là, j'ai vraiment tout fait. Et il faut juste ils ont juste Darius à gérer à la limite, mais je sais pas ce qu'il... C'est n'importe quoi cette partie. Bon bref, on va prendre notre petit visage spirituel et on va dire qu'on sera bien. Il me faudrait Danse de la Mort éventuellement. En vrai, je me demande même si Danse de la Mort serait pas mieux. Je pense que je vais partir là-dessus, parce que de toute façon, il n'y a pas de dégâts magiques concrètement. Et ça me permettra d'avoir un peu de régène quand même. Avec un peu plus de régène contre le Darius, je l'aurais peut-être tué. Un peu plus de dégâts, un peu plus de régène, ça aurait peut-être été mieux. Je pense qu'on peut nash en vrai. Faudrait juste peut-être qu'on prenne un hibou ou deux avant. En tout cas, c'est notre objectif à long terme. Ce serait vraiment bien de le choper. Ah là là, j'ai l'impression d'être dans un zoo quoi. Vraiment, c'est le jardin d'enfants là. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Allez, tu lui mets un petit slow. Tonton Grifox est là pour prendre les kills, vous inquiétez pas. Putain, j'ai pas réussi à le cliquer, Yasuo. Archideg. Ce serait bien qu'on termine un peu ce qu'on commence quand même. Allô? Pourquoi j'avance pas? Ok, ça termine. Ça, je prends. Ben voilà! Enfin, j'essaye, hein. J'essaye vraiment de. D'avoir un bon focus dans les fights parce que j'ai l'impression qu'ils sont en A-click, mes amis. Enfin, il n'y a pas d'A-click sur LoL, mais. Ils sont un peu en mode. Ils tapent le mec le plus proche, tout simplement. Ils se posent pas de questions. Tout sur Darius pendant 1000 ans alors qu'il y a un Jhin derrière. Eh bah, ben, c'était fastidieux, hein. En vrai, c'était marrant, hein. C'était marrant, mais c'était un petit peu. C'était un peu le zoo, quoi. Voilà. Je sais même pas à qui mettre l'honneur. Ouais, allez, je vais mettre ATF, mais. Franchement. Franchement, c'était quelque chose là. Bon, je suis désolé, je savais que la cam était un peu sombre sur cette partie, mais une fois que c'est lancé et que le soleil décline, je peux pas trop retoucher. On a un petit S, ça fait plaisir. 35 pales en plate 2, bah c'est cool en vrai, ça m'est bien. Ça m'est plutôt bien. J'ai fait une bonne partie, hein, franchement. C'était un peu n'importe quoi, mais je me suis efforcé de garder quand même un minimum de cohésion là-dedans, et j'ai fait de mon mieux, et je pense que j'ai bien été efficace. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.